Hello, students. Hope you are fine today. Today we are going to start our role play in the French IGCSE. And we will talk about a role play number one dans un aéroport, at the airport, dans un aéroport. Premièrement, first for the introduction, we have to know that the speaking test will include one role play approximately for 2 minutes, topic conversation one for 4 minutes, topic conversation two for another 4 minutes. Okay? The preparation time will vary from 5 to 10 minutes. Today, we are going to start number one, the role play only. Okay? For this video, we'll see the role play. Okay? And how you are going to take part in a role play. We will start to study the role play scenario given to the candidate card to prepare for the test. And during the exam, you are not allowed, as you know before, you are not allowed to take any notes. Okay? Ready? This is the card number, or the card, the candidate card that you are going to get in the exam. Jeu de rôle, Vous attendez un avion dans un aéroport en France. Vous parlez avec un ou un autre voyageur ou voyageuse, candidate, c'est-à-dire you, vous-même et professeur, je suis la voyageuse ou le voyageur. Le professeur va commencer le jeu de rôle, répondez à toutes les questions. That means this is the card that you are getting in the exam only to announce you, this is the role play. And vous attendez un avion dans un aéroport. You are waiting for an airplane in the airport en France. Et vous parlez, you are talking to another voyageur or voyageuse, another passenger. D'accord? Le professeur, that's me, I will be the voyageuse and you will be yourself, the candidate. D'accord? Très bien. But this is a card that you are getting for the exam. What you are going to supposed to do, you are going to prepare some words or some sentence to be able to answer the questions that the teacher or the examiner will ask you. Okay? That means, vous attendez un avion, you are going to expect some question about when is the airplane going to fly, okay? When is your flight? Where you are going to, understand? All the question, when, d'accord? When, where you are going, what did you do in France, d'accord? Les activités que vous avez fait in France, that means that you have to expect some question, when is quand, where is où, and what, qu'est-ce que, d'accord? All the words that you need to prepare before going to the exam or start the conversation. D'accord? Maintenant, this is a card that the examiner only has. This is for the examiner. D'accord? The examiner. We are going to study it just to give you some information about what the kind of questions that it can might come to you. D'accord? Vous êtes dans un aéroport en France, vous attendez votre avion, vous parlez à un autre voyageur. Moi, je suis l'autre voyageur ou voyageuse. Premièrement, quand, like I said, when, quand exactement part votre avion? Quand exactement part votre avion? When is going to fly your, or when is your flight? D'accord? Quand? That means you will answer with quand, with a time, because you are at the airport. Now the time, d'accord? Quelle heure, à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, quelque chose comme ça. D'accord? Numéro 2, vous prenez un avion pour quel pays? Which country are you going to fly to? Pour quel pays? Pour quel pays? You can say your nationality and I'm going to fly to my homeland or to my home country. D'accord? Vous prenez un avion pour quel pays? Pays, je peux dire, and don't forget, we have in before the country, you have to put on if the country is feminine or of the country if the country is masculine. Je, par exemple, en Italie, au Canada, en Angleterre. D'accord?
Numéro 3, aimez-vous voyager en avion? But this is some question about the airplane, d'accord? Do you like to fly by plane? Hein? Aimez-vous voyager en avion? And pourquoi? Why? Hmm? Numéro 4, you can say that it's practical, it's easy, it's comfortable, d'accord? Numéro 4, combien de temps avez-vous passé en France? But we have to know this question word. Combien de temps? How long? Combien de temps avez-vous passé en France? How long did you stay in France? Et qu'est-ce que vous avez fait? This is a very important question and it comes usually in the role play. Qu'est-ce que vous avez fait en France? Qu'est-ce que vous avez fait en France? What activity? Les activités que vous avez fait en France? J'ai visité la Tour Eiffel. J'ai goûté la nourriture française, j'ai visité le Louvre, je suis allée au parc d'attractions, je suis allée au Euro Disney, d'accord? All of this question, it's so important. Numéro 5, and I told you before that number 5, it must be in the futur, d'accord? Le futur, le conditionnel. Pour vos prochaines vacances, for your prochaines vacances, your future vacation, comment voudrez-vous voyager? How you are going to travel or how you would like to travel? But that means that I must know the transportation means. That means en avion, en bateau, hein, en train, d'accord? But whenever it comes to you, a role play about this, you have to know all the transportation means. D'accord? And now we took a look on the questions and we will start now the conversation. Deep dive. Le jeu de rôle. We will work out and here are the answers. Okay, imagine that you are in front of the examiner now. Huh? Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Quand exactement part votre avion? Quand exactement part votre avion? You will answer, bonjour monsieur. Mon avion part en 20 minutes à 8 heures. Mon avion part en 20 minutes à 8 heures. Numéro 2. Vous prenez un avion pour quel pays? Pour quel pays? Je pars en Italie. Je peux dire je suis italienne et je pars en Italie. Je suis égyptienne et je pars en Égypte. Je suis britannique et je pars en Angleterre. D'accord? Numéro 3. Aimez-vous voyager en avion? Pourquoi? Oui, j'adore voyager en avion. D'accord? C'est rapide et confortable, mais quelquefois c'est cher. That means I mentioned the two advantages. C'est rapide et confortable and disadvantage, mais quelquefois, I have to say but, sometimes c'est cher. C'est cher, c'est très cher, it's so expensive. D'accord? Numéro 4. Combien de temps avez-vous passé en France? J'ai passé 2 semaines en France. J'ai visité. Et qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Et qu'est-ce que vous avez fait? I said, this is a very important question. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai visité les monuments. It must be in the past. J'ai visité les monuments et les sites touristiques et j'ai goûté la nourriture traditionnelle. Et j'ai goûté la nourriture traditionnelle. D'accord? Numéro 5. Pour vos prochaines vacances, comment voudriez-vous voyager à l'avenir, in the future? Je voudrais voyager en train. Ça serait plus calme et relaxant. It will be. Ça serait, it's so important to use the conditionnel. Ça serait plus calme et relaxant. Je voudrais. Ça serait plus calme et relaxant. It will be more calm or relaxing, d'accord? It will be more relaxing, d'accord? But that means that we answered all the questions. Before I finish, I want to tell you, you have to listen carefully to the question, because you will not see this card, d'accord? You will not see the question at all. If you didn't understand the question, you have to say, s'il vous plaît, répétez. You will ask the examiner, s'il vous plaît, répétez, can you repeat? And she will repeat or he will repeat for you. Hein? She will repeat, s'il vous plaît, répétez, s'il vous plaît, répétez. And don't feel shy because this is your right. S'il vous plaît, répétez and the examiner will repeat
for you that question. Hope it's easy, huh, for you now. A bientôt. Hello, student. Hope you are fine today. Number two, we are going to have our topic conversation for this video à la maison. D'accord? The topic conversation à la maison. Like we said before, the speaking test will include one role play. We finished the role play before in video number one. Now we are going to talk about the topic conversation, the first topic conversation that it takes 4 minutes. D'accord? We said before the topic conversation we will have in the exam two topic conversation. Today we are going to talk about the conversation number one. D'accord? Ready? We will start. Très bien. This is the paper or the card that you are going to have. They will not announce you in the paper which conversation you are going to talk about. We will have, see, only we have conversation number one, conversation number two, and the teacher will start the conversation, will tell you the topic of the conversation. That means you are not having any time to prepare for this conversation. That means you have to be ready with many conversations. You have to study hard some conversations. And in the exam, whenever the examiner will announce for you the conversation topic, you have to get ready with all the words, all the vocab that we need for this conversation. D'accord? Thème numéro un à la maison. Today, we are talking about the conversation at the house. À la maison. À la maison. This is a question that this is the paper of the examiner, the card of the examiner. D'accord? But we will practice to be easy for you to expect some question, similar question. D'accord? Numéro un, combien de personnes habitent chez toi? Combien de personnes habitent chez toi? Numéro deux, le soir, que fais-tu dans ta chambre? Numéro 3, qu'est-ce que tu as fait récemment comme tâche ménagère chez toi? Numéro 4, penses-tu que les jeunes doivent aider leurs parents à faire le ménage? Pourquoi? Numéro 5, où aimerais-tu vivre plus tard dans la vie? Comment serait la maison de tes rêves? D'accord? I will repeat and I will explain each question apart. From the topic conversation itself, it's à la maison, at home or at house. That means you have to expect some question about how many person living with you at the same house. Combien de personnes habitent chez toi? Combien? How many persons habitent chez toi? Je peux dire 4 personnes, 5 personnes et je dois mentionner, I have to mention who are them. D'accord? J'habite avec mon père, ma mère, c'est-à-dire la famille. You have to know some vocab about the members of the family. D'accord? And the number. 4, 5, 6, d'accord? Numéro 2, le soir, at night, que fais-tu dans ta chambre? What do you usually do in your room? You have to say d'habitude, you have to use some adverbs. D'habitude, normalement, normally, what I used to do in my room at night. You can say I read, je lis, je regarde la télévision. And I have to use the present because the question is in the present. The answer must be in the present also. D'accord? Numéro 3. Qu'est-ce que tu as fait? This is the question in the past. Take care. The third question must be in the past tense. Qu'est-ce que tu as fait récemment comme tâche ménagère? Qu'est-ce que ça veut dire tâche ménagère? Housework. D'accord? That means that I cleaned my room. I passed the vacuum. D'accord? I helped in the kitchen, I washed the dishes. That means that you have to know before some vocab about les tâches ménagères. J'ai passé l'aspirateur, j'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé ma chambre. D'accord? Les tâches ménagères, housework. Mm-hmm. Here, look here, this is written question alternative, c'est nécessaire. That means this question is a principal question. But if the candidate didn't know how to answer it, they ask him some easy, other easy questions. That means that an alternative easy question. La semaine dernière, qu'est-ce que tu as fait pour aider à la maison? Why this is easier? Because tâche ménagère, it's
a little bit difficult word, tâche ménagère. Maybe not everybody will know it. That means that they make it easy and said aider à la maison, to help at the house. That means if you are able to answer this question immediately, that you are getting more marks. If you didn't know this and she will ask you or he will ask you the other question, that you are getting less marks. D'accord? Numéro 4. Penses-tu que les jeunes doivent aider leurs parents à faire le ménage? Do you think that youth or the young people and teenager, they must help their parents to do the housework? D'accord? Or the alternative question, à ton avis, in your opinion, est-ce que les jeunes doivent aider à la maison? They must or they should help at the house. Pourquoi and why? Pourquoi? It always comes here. Pourquoi? D'accord? Numéro 5, like I said before, numéro 5, it will be in the future. We have to use le futur ou le conditionnel. What you would like to have in the future, ou where you would like aimerais tu vivre plus tard dans la vie. And there is two words that I want you to study by heart. Whenever you answer this question, you have to answer with je voudrais, or j'aimerais. D'accord? This will give you extra marks. D'accord? Je voudrais et j'aimerais. D'accord? I would like. Où aimerais-tu vivre plus tard dans la vie? Where you would like to live in the future? Et comment serait la maison de tes rêves? Your dream house. That means that the topic is a house. It must be ask your dream house. D'accord? Très bien. On passe maintenant à plus de détails. Maintenant, je répète les questions une autre fois. Premièrement, combien de personnes habitent chez toi? Numéro 2, le soir, que fais-tu dans ta chambre? Numéro 3, qu'est-ce que tu as fait récemment comme tâche ménagère? Numéro 4, penses-tu que les jeunes doivent aider leurs parents à faire le ménage? Le ménage, tâche ménagère, ce sont des synonymes. Numéro 5, où aimerais-tu vivre plus tard dans la vie et comment serait la maison de tes rêves? D'accord? We will work out. Maintenant, vous allez voir les modèles de réponse. This is a model answer for you. Combien de personnes habitent chez toi? You can say, il y a 5 personnes dans ma famille, and you mention the member. Mon père, ma mère, ma grand-sœur, mon petit frère et moi. Il y a 5 personnes dans ma famille, mon père, ma mère, ma grande-sœur, mon petit frère et moi. D'accord? That means I mentioned how many and the members of the family. D'accord? He didn't ask you the member of the family, but we want to have the A star, n'est-ce pas? D'accord? Numéro 2. Le soir, que fais-tu dans ta chambre? Que fais-tu dans ta chambre? Le soir, d'habitude, and it's so useful to use some adverb, d'habitude, normalement, en général, je regarde la télé dans ma chambre. You can answer with one answer or more. Je regarde la télé, je lis des romans, d'accord? Je fais le devoir, d'accord? Numéro 3, qu'est-ce que tu as fait, and take care, this is a past, qu'est-ce que tu as fait récemment comme tâche ménagère chez toi. D'accord? You can say, d'habitude, j'aide ma mère le week-end. Normally, I help my mother in the weekend. Le week-end dernier, last weekend, what did you do? J'ai aidé ma mère à faire la cuisine. Just to show the examiner, j'aide in the present et j'ai aidé in the past. I am fluent. I'm able to use the present and the past from the same verb. D'accord? This is so important and so useful. J'ai aidé ma mère à faire la cuisine. J'ai fait la vaisselle. J'ai passé l'aspirateur. I mentioned 3 activities that I did to help at the house. J'ai aidé ma mère à faire la cuisine. J'ai fait la vaisselle et j'ai passé l'aspirateur. J'ai fait la vaisselle. I washed dishes. J'ai passé l'aspirateur. I vacuumed the house. D'accord? Numéro 3, que penses-tu
Penses-tu que les jeunes doivent aider les parents à faire le ménage? Penses-tu que les jeunes doivent aider à faire le ménage, housework? Les jeunes doivent aider les parents à faire le ménage. You say oui, yes, oui, les jeunes doivent aider les parents à faire le ménage. C'est important, it's important, surtout quand les jeunes travaillent, les parents travaillent, notamment quand les parents travaillent. Surtout, that means, especially when the parents work. Of course, the kids must help their parents. C'est important, surtout quand les parents travaillent, faire le ménage. Pourquoi? Faire le ménage donne de la responsabilité aux jeunes. Gives them some responsibility. They will feel responsible. Faire le ménage donne de la responsabilité aux jeunes. D'accord? Faire le ménage donne de la responsabilité aux jeunes. Numéro 5. Où aimerais-tu vivre plus tard dans la vie? Plus tard, in the future, where do you would like to live? Dans l'avenir. Dans l'avenir, j'aimerais, like I said, this is so important to you, j'aimerais voyager en Italie, je voudrais acheter une maison au bord de la mer et y habiter to live there. D'accord? Je répète, dans l'avenir, j'aimerais voyager en Italie, je voudrais acheter une maison au bord de la mer et y habiter. I would like to buy a house at the beach and to live there. D'accord? The second part of the question, comment serait la maison de tes rêves? How it will be your dream house? Ma maison idéale ou ma maison de rêve serait, will be une grande maison avec un petit jardin, une piscine, 5 chambres et 5 salles de bain qui donnent sur la mer. My dream house will be a big house with a small garden, a swimming pool, 5 rooms, 5 bathrooms and viewing the beach or on the beach, qui danse sur la mer. D'accord? Je répète premièrement, combien de personnes habitent chez toi? Il y a 5 personnes dans la famille, dans ma famille, mon père, ma mère, ma grand-sœur, mon petit frère et moi. Numéro 2, le soir, que fais-tu dans ta chambre? Le soir, d'habitude, je regarde la télé dans ma chambre, je lis des romans, je fais les devoirs. Numéro 3, qu'est-ce que tu as fait récemment comme tâche ménagère chez toi? D'habitude, j'aide ma mère le week-end dernier. J'ai aidé ma mère à faire la cuisine, j'ai fait la vaisselle, j'ai passé l'aspirateur. Numéro 4, penses-tu que les jeunes doivent aider leurs parents à faire le ménage? Oui, les jeunes doivent aider les parents à faire le ménage. C'est important, surtout quand les parents travaillent. Faire le ménage donne de la responsabilité aux jeunes. Numéro 5, où aimerais-tu vivre plus tard dans la vie? Dans l'avenir, j'aimerais voyager en Italie. Je voudrais acheter une maison au bord de la mer et y habiter. Comment serait la maison de tes rêves? Ma maison idéale serait une maison, une grande maison avec un petit jardin, une piscine, 5 chambres et 5 salles de bain qui donne sur la mer. D'accord? On a fini. Hope you understand. Merci. À bientôt. Hello everybody. Hope you are fine today. We are going to complete our topic conversation number 2. D'accord? On commence. Les loisirs. The topic conversation for today, les loisirs. Qu'est-ce que ça veut dire les loisirs? Hobbies. D'accord? Free time, pastime. Like we said before, the speaking exam will include 1 role play. We are done with the role play. 1 topic conversation. We are done with the first topic conversation. Now we are studying the topic conversation number 2. D'accord? Très bien. Ready? On commence. This is a card that you are going to have in the exam. It will not mention any topic conversation, just you have to expect in the exam on the time itself, the teacher will tell you what is the topic that you are going to talk about. That means that you have to be prepared before, not on the time or during the exam time, you are going to prepare yourself. You have to be ready before. Maintenant, les loisirs, the topic called les loisirs. Je commence par lire les questions premièrement, puis je vais expliquer toutes les questions et faire des modèles de réponse. OK?
D'accord? Premièrement, la question numéro un. Qu'est-ce que tu fais souvent comme passe-temps? Qu'est-ce que tu fais souvent comme passe-temps? Qu'est-ce que, what? Qu'est-ce que tu fais? What do you normally, souvent, usually, fais comme passe-temps? Passe-temps is a synonym of loisir. Passe-temps, loisir, same synonym. D'accord? Numéro deux, that means here, you are going to say what your hobbies, what is your hobbies or to spend your time, what activity you used to spend your time for. Numéro deux, le soir, at night, après tes devoirs, after finishing your homework, que fais-tu en famille? And don't forget en famille, not you go out, you cannot say I go out. Non, que fais-tu en famille? What do you usually do with your family? D'accord? At home. Numéro trois, parle-moi de ce que tu as fait, le passé composé, le week-end dernier, last weekend, pour t'amuser avec tes copains. Even now with your friends, you cannot say with my family. D'accord? Parle-moi que tu as fait le week-end dernier pour t'amuser avec tes copains. Talk about some activities that you did last weekend to have fun with your friends. D'accord? Des questions alternatives. If you didn't understand the first question, you will be asked the second question. Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier comme activité? Activité avec tes amis. Hein? Synonyme copain and amis, this is the same word. D'accord? Numéro 4. À ton avis, your opinion, in your opinion, les loisirs sont-ils importants pour les jeunes? It's important for the young people to have some leisure time. Pourquoi? Why? Est-ce que les passe-temps, passe-temps, les loisirs, like I said, it's the same word of passe-temps, sont importants pour toi et tes amis? Why he repeat toi et tes amis? Because maybe les jeunes is a difficult word for some people. Les jeunes, that means toi et tes amis. Teenagers. D'accord? Numéro 5. À l'avenir, in the future, quel autre passe-temps voudrais-tu essayer? Pourquoi? What kind of, what other kind of leisure, you want leisure activity you would like to try? And why you want to try these activity? À l'avenir, que voudrais-tu faire comme nouveau passe-temps? Nouveau, c'est-à-dire new leisure activities. Pourquoi tu voudrais faire ces passe-temps? And why? D'accord? Ready? We will start. Je répète les questions une autre fois. Qu'est-ce que tu fais souvent comme passe-temps? Qu'est-ce que tu fais souvent comme passe-temps? Le soir après tes devoirs, que fais-tu en famille? Numéro 3, parle-moi de ce que tu as fait le week-end dernier pour t'amuser avec tes copains. Numéro 4, à ton avis, les loisirs sont-ils importants pour les jeunes? Pourquoi? Numéro 5, à l'avenir, quel autre passe-temps voudrais-tu essayer? Pourquoi voudrais-tu essayer ces passe-temps? D'accord? But we have a question with qu'est-ce que, what, and what also was, what did you do last weekend? And your opinion, you have to say your opinion, and in the future, what would like to try as leisure time. D'accord? On commence? Maintenant. Qu'est-ce que tu fais souvent comme passe-temps? D'accord? Souvent. You have to say d'habitude, en général, some adverb. D'habitude, en général, souvent, comme passe-temps, je lis des romans et je regarde la télé. This is my leisure time. I read some novel and I watch television. You can say je joue au football, je joue, je regarde la télé, je lis, donc je dessine, I draw. That means that all the activities that you would like to mention. D'accord? Numéro 2. Le soir après tes devoirs, que fais-tu en famille? We said that you must mention with your family. What do you do with your family? You can say le soir, je dîne avec ma famille et on bavarde ensemble. Je dîne, I take dinner with my family and we chat together. On bavarde ensemble, ensemble. Numéro 3. Parle-moi de ce que tu as fait le week-end dernier pour t'amuser avec tes copains. You can say, le week-end dernier, j'ai voyagé avec mes copains à Paris. On a visité la Tour Eiffel et on a fait du shopping. Le week-end dernier, j'ai voyagé avec mes copains à Paris. I traveled with my friends to Paris.
On a visité la Tour Eiffel. We visited the Eiffel Tower. On a fait du shopping and we did some shopping. You can say more activity if you want, d'accord? J'ai acheté des souvenirs pour mes amis. J'ai acheté des cadeaux pour mes sœurs et mes frères, d'accord? But it must be in the past tense. On a fait, on a visité, j'ai voyagé, d'accord? And also you can add, it was so nice, c'était, you can say, c'était génial, c'était un week-end super, d'accord? C'était super, c'était génial. Numéro 4. À ton avis, les loisirs sont-ils importants pour les jeunes? It's important to have leisure time. You will say, à mon avis, les loisirs sont très importants pour les jeunes. Surtout, especially après les études et les examens, after studying and after exams, ça me relaxe. It's relaxing me après le devoir et les tests. Ça me relaxe. This is why it's important. Ça me relaxe après le devoir et les tests. D'accord? Numéro 5. À l'avenir, quel autre passe-temps voudrais-tu essayer? And why you would like this? You can say, à l'avenir, j'aimerais, like I said, you must say, j'aimerais aller à la plage et essayer la planche à voile. Windsurfing. D'accord? I would like to go to the beach and try the surfing. Parce que j'adore les sports nautiques. I adore water sports. You can mention any other sports that you like. You can say, j'aime essayer l'escalade, climbing mountain, l'escalade. D'accord? J'aime essayer la planche à voile. J'aime essayer la natation, swimming. You can mention any activities that you would like to have in the future. D'accord? And you will mention why. Pourquoi j'adore, j'adore ces d'activité, j'adore les sports nautiques, d'accord? But here, it was the topic of today about leisure time, d'accord? C'est fini et on se voit à bientôt!